Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ce matin? Bon, alors en Normandie, c'est la grisaille, mais comme vous le savez, tous les mercredis, je vais vous amener un petit peu de soleil dans votre petit cœur et dans vos créations. Bonjour à toutes, alors bonjour Christelle, bonjour Paulinette, bonjour Joël, bonjour Yvan, et ben je suis enchantée de vous retrouver comme tous les mercredis matins à 10h30 pour ce live créatif. Bonjour belle maman. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous adore, ça je vais commencer par là, mais ça vous le savez maintenant, que je suis du coup démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans et que voilà, l'aventure faisant que, et oui, vous avez vu 262 lives, et encore, c'est que les lives du mercredi, je me fais une joie de vous retrouver chaque mercredi pour une nouvelle création, et ce matin, on va parler technique. Et oui, pourquoi technique? Parce que lors des précédents lives, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de revoir plusieurs techniques et donc j'ai associé ces différentes techniques pour répondre à vos besoins. Bonjour Cathy, bonjour Geneviève, il pleut aussi dans le sud et bah au moins il n'y a pas qu'en Normandie. Bonjour Isabelle, oh bah donc, mais il y a du monde ce matin, c'est trop bien. Trop trop bien. J'espère que vous avez fait le petit panier de Pâques ou c'est en cours parce que je sais que ça vous a beaucoup plu et j'en ai déjà vu un certain nombre d'entre vous me les montrer, mais n'hésitez pas à partager encore. Christelle, est-ce que tes oreilles ont sifflé lundi? Eh ben écoute, je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que tu as passé l'après-midi avec Cécile et que vous avez passé un super moment et c'est toujours un super moment ces moments-là. Bonjour Nadine, ah bah ça fait plaisir, il y a aussi des personnes qui d'habitude peuvent pas être pendant les lives et qui sont là. Bonjour Christine, c'est chouette, chouette, chouette. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va réaliser une carte. Et il est, comment dire, il est temps que je vous remette des petits rappels sur différentes techniques. Et donc, on va utiliser plusieurs techniques. Première technique, vous me l'avez demandé et du coup, c'est exaucé. On va revoir la technique de la lingette. Voilà. Donc, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, mais qui, certaines d'entre vous avaient besoin d'un petit rappel. Et donc, le voici. On va aussi utiliser la technique. Comment dire? Ah, je cherche mes mots ce matin. D'une carte checker. Vous savez, les cartes à secouer, moi j'aime beaucoup. Et quand vous voulez offrir une carte à des enfants, c'est très interactif et j'aime bien. Et je vais vous montrer comment, avec mes fameux gabarits, on va pouvoir faire un double nœud. Et pourquoi pas en faire un petit papillon. Voilà, vous êtes prêtes? Génial, mais tout le monde est là, c'est trop bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis matins, c'est un réel plaisir. Juste une petite information avant qu'on commence le live. Vous savez que nous sommes le 30 mars et que la promotion des 20% sur certains lots de découpe et de tampons se termine demain et que la promotion sur la mini machine de découpe avec moins 20% se termine également demain. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est encore temps. Tout en sachant que, comme je vous l'avais déjà partagé lors d'un précédent post, à partir du 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril malheureusement, les frais de port chez Stampin' Up vont augmenter de 2 euros et donc ils vont passer de 5,95 € à 7,95 €. Voilà, c'est dit. Donc ça c'est fait, donc ça c'était pour la promo. Et je voulais aussi, parce que samedi dernier j'ai eu la chance de faire l'atelier en ligne numéro 13, et bien évidemment, dès que un atelier en ligne se termine, je relance pour l'atelier d'après. Et donc l'atelier en ligne 14 est sorti. Donc voici, normalement, si tout se passe bien, je vais vous montrer le visuel. Donc le prochain kit atelier en ligne, le 14, ça sera un album sous les tropiques avec la collection Beauté Abstraite qui est juste magnifique. Et comme d'habitude, bonjour Nathalie, vous avez trois options. L'option à 15 euros avec le consommable. Et comme ça, vous vous connectez, vous êtes invité à un groupe privé et après, on fait ensemble l'atelier en ligne via Zoom ou sinon en replay. En plus, j'ai trouvé la technique pour que vous ayez un joli replay. Donc,
Top. Vous avez l'option B où vous avez, comment dire, le consommable plus le set de tampons. Et l'option C à 80 euros où vous avez l'option A avec le lot de découpe et tampons assortis. Oui, ex exactement, belle maman. En effet, tout augmente. Il faut savoir quand même, alors c'est vrai qu'on peut se dire, ben, on râle, vous avez le droit de râler, hein, mais j'y peux rien, entre guillemets. C'est que Stampin' Up! N'avait pas augmenté ses frais de port depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé en tant que démonstratrice en décembre 2011, ils étaient déjà à 5,95 € les frais de port. Et du coup, je me suis dit quand même, 10 ans sans augmentation, c'est plutôt pas mal. Et si on se disait, comme les timbres à la poste, où ça augmente tous les ans, ça voudrait dire que, donc là, effectivement, c'est 2 euros et du coup, ça se voit plus. Mais si on avait augmenté tous les ans, je crois que j'avais calculé, ça faisait 18 centimes par an. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas énorme. Après, c'est toujours trop, hein, on est bien d'accord. Et puis, la petite anecdote aussi, c'est que quand Stampin' Up! Est arrivé en France et en Europe, les clientes et les démonstratrices ont payé les frais de port en fonction du poids du colis. Donc, vous imaginez que quand vous vouliez acheter la machine de découpe, vu le poids que ça fait, forcément, vous montiez très très vite dans les frais de port. Donc, certes, c'est un forfait, mais voilà. Bon, on va pas faire le live entier sur ce sujet, mais en tout cas, c'était important pour moi d'être transparente et de vous expliquer, voilà, toutes ces petites choses. Alors, on va retirer ça. Donc, comme je vous disais aussi, on a toujours en cours la collection Vague d'Océan, qui est vraiment trop magnifique. Voilà. Et la promotion, une éclosion de réduction avec la mini-machine à moins 20%, ce qui vous la fait, alors j'ai écrit trop petit, même si j'ai mes lunettes, à 58,25 €. Voilà. Et vous avez de nombreux dies. Ah, j'ai pas enlevé l'étiquette. Voilà. De nombreux découpes et tampons aussi en promotion. Donc, n'hésitez pas. Voili voilou. Bon, maintenant passons aux choses créatives. Je vais vous montrer le projet de ce matin. Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la caméra. Et crotte de bique. Et à partir de quel moment ça a bugué? Je ne sais pas. Alors attendez, je fais des petits tests. Je suis désolée les filles. Alors j'enlève ça. Je vais voir si ça fait quelque chose. Sinon. Ah, oh, crotte de bique. Bon bah écoutez, je suis vraiment, vraiment désolée. Mais du coup, j'ai ma webcam qui a planté. Comme la semaine dernière, mais là, c'est tout au début du live. Donc on va. Je suis désolée. J'espère que vous m'entendez. Je vais interrompre ce live et je vais relancer un live. Voilà. Donc à tout de suite, rejoignez-moi vite, hein. 'Doum, doum, doum. Est-ce que ça marche? Me revoilà, me revoilà. Bon, c'est ça les aléas du direct. En tout cas, j'espère que là, vous allez me retrouver. Que tout va bien se goupiller. Alors, vous êtes là, recoucou. Bon, c'est bon, tout va bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué, mais je suis contente de vous retrouver. Je suis désolée, hein, c'est les aléas. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un couac au niveau de l'informatique. Et c'est beau être mon 262e live. Et bah, il y a re une boulette et re une coupure. Alors, voilà. Soit c'est une connexion réseau, soit c'est mon ordinateur qui a bugué. Ça a pu arriver aussi. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver là. Obligé de recommencer, bien évidemment, puisque je voulais absolument que vous puissiez voir bien mes mains pour pouvoir refaire le projet que je vous ai. Voilà. Bah oui, ça arrive, hein. Même au meilleur, comme on dit. Hein. Donc allez, on s'y remet. Bonjour Christiane, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et puis bon, bah pour celles qui étaient là sur le précédent live, merci d'avoir été patiente et d'être de nouveau là à ce nouvelle partie de live, on va dire. Donc si vous avez envie de voir l'introduction et toutes les petites choses que je vous ai annoncées, je vous les mettrai bien évidemment sur le replay.
Je vais juste prendre 2 petites minutes pour celles qui arrivent. Donc, voici le projet, mais pour vous montrer quand même le kit numéro 14, puisque les inscriptions, c'est jusqu'au 1er avril. Donc, il vous reste plus que 2 jours pour vous décider. Donc, dépêchez-vous vite. Voilà. On est tout bon? Nickel. Je suis désolée, oui, bah oui, c'est moi qui. J'ai eu un problème informatique. Ne te stresse pas. C'était moi, Brigitte, Christelle. Voilà, tout le monde est revenu. Super. On en a perdu quelques-unes entre deux, mais je pense que c'est le temps qu'elles vont se reconnecter. Alors, ce matin, comme je vous le disais en introduction, on va réaliser une carte avec différentes techniques. La première technique, et vous avez été très nombreux à me la demander, c'est de faire une révision sur la technique de la lingette pour faire des nuances de couleurs. Et vous verrez que le fond aussi, il est fait avec cette technique. Première technique. Deuxième technique, on va utiliser le papier fenêtré et des grandes longueurs de double face pour faire une carte shaker. Et je trouve que ça se mariait très bien avec cette jolie carte. Et je vais aussi vous montrer. Ah, il y a 4 techniques en fait. Comment faire cette petite étiquette? Alors c'est tout simple, mais je vais vous montrer quand même comment on l'a fait et comment on réalise ce double nœud qui est là. Et on pourrait même imaginer que si on le met dans l'autre sens, ça nous fait un joli papillon. Voilà. Donc on est parti. Donc j'ai utilisé essentiellement. Ah, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Vous voulez la voir l'intérieur? Parce que j'ai aussi utilisé mes tampons et la technique de la lingette pour décorer l'intérieur de ma carte. Voilà. Donc cette carte, elle peut être offerte pour un anniversaire, aussi bien pour bonjour Odile, pour des enfants. Pour une dame, pour un monsieur, moi je sais que mon beau-papa par exemple, il adore les poissons, donc ça peut très bien être une carte pour un anniversaire pour un homme. Et j'aime bien ce lot, c'est qu'il est très varié et il peut aller pour tout type de carte. C'est ça. Et donc, alors aujourd'hui il fait tout gris, mais la semaine dernière il faisait beau, j'avais envie d'aller nager sous les poissons. Donc voici l'idée de ce matin. Donc j'ai utilisé essentiellement du papier Pointe Pacifique, du papier blanc et une petite chute de Copacabana pour mettre en relief ce joli feuillage. D'accord? Alors, on est parti. Alors, au niveau des dimensions, j'ai ma secrétaire Aurore qui n'est pas là, mais ne vous inquiétez pas, c'est des dimensions standards, super faciles à retenir et à faire. Donc, première chose, on va prendre notre cher massicot adoré. Et on va prendre un rectangle, la dimension standard, 10,5 sur 14,8. Donc, 14,8 sur 10,5. OK? On va faire la même dimension dans du papier blanc. Donc 14,8 sur 10,5. Donc on a notre papier Pointe Pacifique, notre papier blanc. Et pour finir, et ça c'est vraiment hyper important, on va prendre du papier fenêtre. Donc normalement j'ai déjà mes 14,8, parfait, sur 10,5. Donc 3. Un rectangle de la même dimension. Hop là. C'est pas grave, on a le soleil dans notre cœur, les filles, vous inquiétez pas. Le soleil, c'est aussi dans la tête. On est bon? Alors, là, j'ai envie de vous montrer, on va commencer par la technique de la lingette. Donc, j'ai mon papier de fond et j'ai un autre papier qui va me servir pour faire mon poisson, ma pieuvre et mon étoile de mer. Donc première chose, moi je prends un grand bloc acrylique, le plus grand, alors c'est la taille F.
Je prends une lingette bébé. Alors, moi, je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est la marque Lidl, mais après, vous prenez n'importe quelle marque. Moi, je mets toujours dans un papier qui se ferme hermétiquement pour pas qu'elle sèche. Ça, j'avais pris cette habitude-là depuis que les enfants étaient petits. Parce que sinon, ça sèche trop vite et ça fait du gaspillage. Je vais mettre ma lingette, l'étale, sur mon bloc acrylique, comme ceci. Je referme mon petit sachet pour pas que ça sèche. Maintenant, là, je vais utiliser le set de tampons d'arrière-plan. Alors, je sais pas le dire en anglais. Gentle Wives, à la référence 157-868. Parce que quand on le prend comme ça fait un petit peu. Bah, moi, je trouve hein, que ça fait effet fond de mer. Donc, ça allait parfaitement avec le type de ma carte et le thème. Donc, je l'ai posé. J'en ai qu'un bloc comme ça, un gros. Donc j'ai utilisé ma plaque de Stamparatus pour coller, pour mettre mon grand set de tampons de fond. Que je viendrai appliquer comme ceci. D'accord? Mais avant ça, j'ai sorti mes encres liquides. Alors, j'ai sorti quelle couleur? Attendez, je mets ça de côté. J'ai sorti le point de Pacifique. Le baie des Bermudes, béguin bleu et piscine partie. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des gouttes d'encre liquide sur ma lingette. Alors, de manière aléatoire, puisque on est bien d'accord que la mer, il y a plein de nuances de bleu et vert et que c'est pas figé. Donc on en met. Vous voyez, ça fait des petits points. Donc on en met. Hop là. Alors, c'est la technique de la lingette, moi je vous la recommande beaucoup quand vous avez par exemple des commandes de faire-part ou vous voulez faire des cartes d'invitation et vous voulez avoir un grand nombre parce que ça va vite. Et vous avez un côté waouh garanti à chaque fois. Donc après, l'idéal, c'est de plus avoir de blanc en fait. Bonjour Céline. Je finis avec mon point de Pacifique. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais donc. Je vais les mettre de côté, je me fais de la place sur mon plan de travail. Qu'en fait, mon bloc acrylique, ma lingette et mes encres liquides vont me servir comme tampon encreur. D'accord? L'avantage, c'est que du coup, j'ai une grande surface, j'ai plusieurs couleurs dessus, et comme ma lingette, elle est humidifiée, ça va durer longtemps. Donc, je prends mon papier blanc que j'avais coupé tout à l'heure, qui fait 10,5 sur 14,8. Et je prends mon tampon de fond. Effectivement, belle maman, chaque carte va être unique parce que je vais pas pouvoir, on va dire, tamponner exactement au même endroit à chaque fois. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais donc je l'ancre. Alors, on pourrait faire en une seule fois, mais moi j'ai vraiment envie qu'il y ait plein de nuances, de couleurs. Donc j'ai voilà, j'appuie. Vous voyez, voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais venir. Alors, c'est pas grave si on n'a pas en haut et en bas, puisque avec le dies, de toute façon, il n'a pas besoin. Je viens là, j'appuie, et voilà. Ah ben, j'essaye d'avoir des bonnes idées, hein. Attention, je lève, et voici, vous avez un joli fond de mer. Unique, du coup. Puisque si il fallait reprendre une feuille, j'aurais pas forcément les mêmes nuances aux mêmes endroits. Et ça, j'adore. Pour nettoyer, vous prenez votre chamoisine, bien évidemment. Et là, vous pourriez en faire une quantité certaine. Si votre lingette commence à sécher, moi, ce que je vous conseille, c'est vous avec votre Stampin' Wheezer, vous réhumidifiez avec un petit peu d'eau. Et comme ça repart. Donc ça, je mets de côté, puisque là, pour ce projet-là, on n'en a plus besoin.
On va maintenant continuer et avec le papier point de Pacifique qu'on a déjà coupé tout à l'heure de 10,5 sur 14,8, on va prendre la découpe qui est coordonnée avec sous l'océan et donc on va juste le passer dans la machine de découpe. Alors hop, 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 je déménage la machine de découpe. Vous avez vu, ça fait vraiment un fond éphémère avec toutes les nuances de couleurs et chaque carte va être unique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le scrap, c'est que quitte à faire du fait main, il faut que ça soit unique et un peu personnalisé pour la personne à qui on l'offre. Et attention, je tourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous, premier dans les bois. Martine, tu connaissais pas? Ah, c'est génial. Alors moi, j'adore cette technique-là. Et si vous avez l'occasion de la faire aussi avec les enfants, ils adorent ça. Pour celles qui font aussi dans les écoles ou qui ont des petits-enfants, c'est juste trop bien parce que le résultat, il est parfait à chaque fois. Et ça donne des cartes complètement différentes à chaque fois également. Hop là. Donc ça, on n'en a pas besoin, mais c'est assez grand pour pouvoir la garder comme chute au cas où. Hein. Hop, j'enlève les petites choses qui me dérangent, que je n'ai pas besoin, mais après, si vous voulez les garder, vous les gardez. Alors c'est vrai que moi j'ai des ongles, alors j'ai tendance à aller le faire avec mes ongles, mais on peut aussi le faire avec l'outil touche-à-tout. Si mon mari était là, vous direz l'outil touche-à-tout, c'est la vie. Donc ça, on est bon. Donc vous voyez, et on va avoir. Oui, ça va parfaitement en fait, hein. D'accord? Donc avant de coller comme ça, attention, on va. Rappelez-vous, on a coupé le papier fenêtre de 10,5 sur 14,8 et on va le coller ici. Alors, j'utilise mon petit snail. J'utilise pas souvent, mais des fois, on gagne un petit peu de temps. Et là, pour le papier fenêtre, c'est bien plus pratique que la colle liquide, je trouve. Là, on est bon. D'accord? Maintenant, on va prendre. Alors, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. On va prendre les bandes adhésives en mousse. Alors, il y en a beaucoup. Vous voyez que mon sac, il a vécu. Que j'en fais pas non plus tous les jours, mais que ça reste super longtemps. Et on va prendre les bandes pour faire tout le tour de notre carte. Alors, ça c'est hyper important. Donc j'enlève une longue bande, hein, vous avez vu? Hop. Et je vais venir coller tout autour de ma carte. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas couper, c'est de faire un arrondi. De toute façon, ça se voit pas. Hop là. Ouais, elle est trop belle cette découpe. Elle est fine. Elle est. Voilà. Il y a plein de reliefs. J'aime bien. Tu as raison de le remarquer, Nadine, qu'elle est vraiment formidable. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je fais attention que là, ça soit bien collé l'un à l'autre. Sinon, pardon, nos petits sequins qu'on va rajouter, ils vont fuguer. Hop. On continue et on va jusqu'au bout. Voilà. Donc là, vous voyez, il manque un petit peu. Donc c'est pas grave. On a la chance, c'est que les bandes, elles sont sécables. On peut les couper. Donc, prends. Et donc là, je vais bien coller au bord, comme ceci. J'avais vu un peu large, Fanny, hein, quand même. Hein. T'es plagiaire. Hop. Voilà. Ok? Avant de décoller, ce que je fais. Ah, bah, tu coupes. Bah, en fait, Christelle, l'avantage de faire comme ça, c'est qu'on ne perd pas trop de temps et on est sûr que ça soit bien hermétique. Donc, après, moi, je vais prendre les sequins pour tout, qui sont à la référence 153-556 de votre catalogue annuel. Je les sors et je vais. Alors là, il faut faire attention, c'est pas le moment d'éternuer, sinon c'est la catastrophe.
Et je vais venir prendre mes sequins que je vais mettre au milieu, comme ceci. Alors, moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Quitte à ce que ça soit, que ça secoue, il faut qu'il y en ait. Je referme avant d'éternuer et par précaution, sinon la catastrophe. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon papier de fond que j'ai préparé tout à l'heure et je vais le venir coller comme ceci. Alors attention à votre sens. Donc là, j'enlève l'opercule du double face tout autour. Oui, c'est mieux toujours d'en avoir un petit peu plus que moins, sinon on peut toujours en enlever et en rajouter, c'est pas toujours facile. Hop, je fais le tour. On fait attention alors dans le sens que vous voulez, puisque vous avez vu, là c'est le bas de ma carte. Donc moi je vais faire comme ceci. Et je vais venir coller comme ça. Bonjour Clarisse. Oh, vous êtes nombreuses ce matin, ça fait plaisir. Et voici la petite carte à secouer. Vous avez vu comment le joli fond derrière, ça rend bien? Pas mal, hein? Bonjour Stella, quel plaisir. Ça, c'est bon. Maintenant, je vous ai dit qu'on va aussi utiliser la technique de la lingette pour autre chose. Donc, je reprends un autre bloc acrylique. Je reprends. Ça vous plaît? Et ben, ça me... J'ai hâte de voir vos créations avec cette technique. Je reprends une lingette. Alors c'est vrai que l'avantage des lingettes, c'est que c'est pas cher. Donc voilà. Et les encres liquides, ça vous permet certes de les avoir pour recharger vos encreurs, mais également pour faire d'autres choses. Et là, en fait, je vais utiliser une autre association de couleurs, puisque je vais associer le corail calypso, le narcisse d'hélice, ainsi que le tarte au potiron. Petite astuce que j'ai en voyant mes petites fioles. Vous avez vu, moi j'ai mis des petits rappels de couleurs comme ça. Quand ils sont rangés, je vois bien quelles couleurs que j'ai. Je vais venir faire comme tout à l'heure. Vous voyez bien, oui, je suis pas hors champ. Hop. Alors vous avez vu, là j'ai pris un bloc plus petit puisque mes tampons vont être plus petits puisque le plus grand tampon qu'on va faire, ça sera cette pieuvre-là. Hein. Donc, gaspillez pas non plus. C'est rien de d'avoir. Sur l'autre, on était obligé puisque c'était un tampon d'arrière-plan de fond. Hein, mais là, pas obligé. Là, le jaune. Et pour finir, le tarte au potiron. Bonjour Juju. Hop là. Allez, un par là. Voilà. Je les mets de côté pour éviter les catastrophes. Je vais venir prendre ma pieuvre et je vais venir tamponner comme j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, soit vous laissez en une fois, soit vous, voilà, vous mélangez un peu. Comme ça, vous allez avoir encore plus de nuances. Regardez, ça fait cool, hein? Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai fait la même chose avec le tampon poisson. Je voulais un petit poisson et je voulais également une étoile de mer. Donc, et vous voyez, selon où vous allez vous tamponner, vous aurez des différentes de couleurs. Vous voyez, on voit. Hein. Là, j'étais plus vers le bas où il y avait un peu plus de jaune, du coup, c'est plus clair. Là, il y aura peut-être un peu plus d'orangé. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je fais la même chose avec mon étoile de mer. Vous avez vu, on peut en faire plein. Hein. Donc quand vous voulez faire des cartes d'invitation ou faire des swaps avec les copines, c'est juste tip top. Ça, on est bon. Maintenant, on n'a plus besoin. Pour le moment, on va le mettre de côté parce qu'on va s'en servir pour faire l'intérieur de notre carte. Hop, je le mets derrière, sur mon bureau secondaire.
Non, j'ai. Alors moi, j'ai sur mes petits bouchons, c'est pas du papier ancré. En fait, j'avais pris dans les chutes, par exemple, quand j'ai des petites chutes de papier, là, je prends les petits ronds. D'ailleurs, ça me fait penser que vous avez vu sur la découpe, vous avez des ronds, et donc vous pourriez imaginer les ronds que vous récupérez, les coller sur votre petit fiole, par exemple. Coucou Honorine! Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Hop là, donc ça c'est bon. Donc maintenant, on va utiliser les découpes. Alors ça, ça et ça. Donc je vais faire une pieuvre, un joli poisson et une étoile de mer. Donc je sors la machine de découpe. Je la ressors, elle n'était pas très loin. Hein. Rassurez-vous. La machine de découpe, elle est toujours à portée de main chez moi. Vous voyez, tous les petits ronds là, on pourrait les utiliser pour faire nos, comment dire, nos décos de fiole. Je fais un petit peu de ménage. Mon outil touche à tout avec ma brosse. On nettoie ma plaque. Hop là. Bon, je sais pas très. Je sais plus comment dire. J'en ai mis partout. Mais bon, pas grave, hein, c'est moi qui fais le ménage. Donc je mets la pieuvre, la découpe sur la pieuvre. Et je vais pouvoir les faire les trois en même temps. Donc on gagne aussi du temps. Alors là, il faut juste vérifier. Voilà. Le bon sens. Le petit poisson, j'en veux un plutôt dans les tons jaunes. Clair. Voilà. Mon autre plaque de machine. Elle est dessus. Hop là. Ah oui, puis je tenais à remercier au nom de mon mari, Nicole, Janine et Aline, qui ont eu la gentillesse de lui envoyer une jolie carte pour son anniversaire. Il était super content et super touché, il s'y attendait pas. Ça lui a fait très plaisir. Il m'a dit, c'est tout ça pour me revoir en live. J'ai dit, ah bah oui, je pense que c'est un signe. Hop là. Ça, je le remonte. Parfait. On en est là, donc on a la pieuvre qui est là. Et alors moi, je me suis amusée à la coincer dans les algues. Comme ceci. On va avoir notre petit poisson. Alors j'aurais dû... Avant, je vais mettre une petite mousse 3D. Là. Voilà. Je la cale ici. Parfait. Le petit poisson, pareil. Oui, celle-ci, c'est la grande machine, effectivement. C'est celle qui est à portée de main, mais vous pourriez très bien le faire avec la petite. Hein. Et rappelez-vous, la petite, elle est à moins 20% ce mois-ci. Hein. C'est bientôt fini, hein. Le mois est bientôt fini. Hein. Là, je vais avoir mon étoile de mer, mais je vais attendre, puisque avant, je vais dans ma chute. De Copacabana, je vais faire le petit feuillage que j'aime beaucoup. Pareil à la machine de découpe. Hop là. Donc on est là. Et donc mon autre plaque, elle est là. La chercher, elle était sous mes yeux. Et je mouline. Attention! Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pour ce temps-là. Ah, je sais pas, Christelle, si un jour ils vont solder la grande. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas au courant. Vous savez, il y a des fois, je sais des choses et des fois, je ne sais pas. Alors, quand je le sais, je vous le dis. Mais quand je ne sais pas, bah, je sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu le nouveau catalogue. Il est juste waouh! Elle est toujours dans le gros catalogue et que on va encore se régaler. Et oui, mais Aurore, t'as pas entendu les autres chansons, hein. T'es arrivé trop tard, hein. Tu vas avoir des gages, hein. Méfie-toi. En tout cas, j'espère que ton rendez-vous s'est bien passé. Hop, donc on en est là. Donc je vais venir. Et mon feuillage, en fait, je vais aussi le mettre ici, comme cela. Je vais le coller avec un petit coude. Oui, le feuillage, c'est dans les découpes vagues d'océan également, Marion. Je vais mettre une petite blue dox ici. Parfait. Ça, c'est bon.
Oui, c'est dans celui-ci. Alors là, je peux pas vous montrer parce que du coup, j'ai tout décollé, mais vous avez là aussi l'autre pieuvre, le poisson, les petites bulles, un feuillage, et celui-ci, il est aussi dedans. Donc là, on est bon. Pour faire l'étiquette, tout simplement, j'ai repris mon set de tampons. Dans mon set de tampons, vous avez le mot merci du plus profond de mon cœur. Je vais donc avec mon encre pointe pacifique. Ah, j'ai une idée! Au lieu de réutiliser mon encre pointe pacifique, je vais utiliser ma lingette. Alors, je vais peut-être nettoyer parce que vous avez vu, j'avais pas bien nettoyé avant, mais voilà. Et je vais réutiliser ma lingette avec mes différentes nuances de couleurs. Ah, ça fait trop bien! Pardon, faut pas que je. Faut que je reste calme. Après, alors là, c'est. Là, je sais qu'il y en a certaines que je vais perdre. J'ai coupé au ciseau de manière le plus droit possible. Hop. Alors moi, quand il y a trop de papier, je suis embêtée. Donc je préfère. Voilà. Vous avez vu comment ça fait joli aussi sur le texte là? Ouais, c'est clair, Cathy. On est bien d'accord. Et une fois que j'ai fait mon petit texte, j'ai pris mon feutre Stampin' White pointe pacifique. Et avec la pointe fine, je suis venue juste tout simplement encadrer mon texte. Alors, je vous rappelle hein, que si vous voulez faire des traits les plus droits possibles, il faut aller de gauche vers la droite. D'accord? Votre sens d'écriture pour les droitières. Pour les gauchères, bah vous faites l'inverse. Hop là. Ça, on est bon. Je vais venir coller un petit peu comme ça, avec une petite mousse 3D. Voilà. Comme ceci. Je vais venir mon étoile de mer coller aussi avec une mousse 3D, mais là, je vais prendre une plus petite que je vais coller en quinconce en bas sans cacher trop le texte. Voilà, parfait. Et j'avais envie de rajouter de la ficelle de lin pour donner un peu l'effet. Alors moi j'aime bien après. Pour moi, quand je pense mer, plage, je pense bateau, je pense corde, et je trouve que la ficelle de lin, elle va parfaitement. Je prends mon petit outil, donc je prends le plus petit, comme d'hab, hein, pour la technique du nœud parfait. N'hésitez pas, j'avais fait une vidéo sur YouTube, vous tapez comment faire un nœud parfait Fanny Scrap Stampin' et vous allez retrouver le tuto et aussi comment faire les petits gabarits, d'accord? Avec du carton. Donc là, tout simplement, donc je prends mon gabarit et au lieu de faire en une fois, je vais tout simplement faire deux fois. Hop là. Pourquoi ça marche pas? Oui. Voilà. Et je fais mon nœud. Voilà. Je fais glisser. Ah, peut-être. Bon, après, tant qu'il vous dit salut et qu'il n'est pas méchant, je ne l'ai pas encore trouvé. Oui, Nathalie, les bandes mousse, ils sont toujours au catalogue, bien évidemment. Je vais vous les montrer si vous voulez. Donc, vous avez deux boucles de chaque côté. Donc, ça fait un effet un peu différent. Et il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent. Et vous avez vu, si vous le faites comme ça fait un nœud. Mais si vous le mettez dans l'autre sens, on pourrait imaginer que ça soit également un joli papillon. Là, c'est bon. Ma petite goudotte. Alors après, si Marion, si tu peux le supprimer, l'intrus, n'hésite pas. Et à le bloquer si vous opportune.
Donc voilà, donc ça c'est, on a fait le devanture de notre carte. On pourrait très bien l'offrir comme ça. Ah, bisous Nadège! Mais moi j'avais envie, j'aime bien aussi quand on fait une carte qui s'ouvre. Et avant de vous montrer l'intérieur de la carte, je vais te montrer Nathalie. Ouais, t'as raison Christelle, il a qu'à scraper si. Et donc les bandes adhésives que j'ai utilisées, c'est le numéro 10 de la page 167. Donc c'est la référence 141 825 au prix de 9,50 €. Alors vous avez de quoi faire, hein. Franchement. Vous avez l'équivalent de 9 mètres. Donc vous avez. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je mets ça de côté. Et tout simplement, je vais reprendre ma chute de papier blanc. Qu'on avait gardé. Alors ça y est, j'ai déjà plus de place sur mon plan de travail. Hop. Et donc, on a 14,8 sur 21 et on va juste faire un pli à 10,5. Voilà. Ok. Maintenant, je plie comme ceci. Et en fait, on va venir coller ce qu'on vient de faire juste sur la page de couverture. Mais avant, on va pouvoir l'ouvrir et on va faire la déco à l'intérieur. Rappelez-vous, je vous avais dit que on peut reprendre notre lingette avec nos encres. Je vais reprendre ma petite pieuvre et je vais. Alors, est-ce que c'est encore? Oui, c'est bon, c'est encore humide, assez humide. Donc, je vais la faire en bas. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les petits poissons. Ça me fait penser à une petite chanson que les enfants, ils avaient appris quand ils étaient petits à l'école. Petit poisson dans l'eau, nage, nage, par-delà les flots. Bon, allez, j'arrête parce que déjà qu'il fait pas super beau en Normandie, ça va être la catastrophe. Vous avez vu? Parfait, hein? C'est chouette, hein? Allez, on fait juste un là. Voilà. Et pour finir, l'intérieur de ma carte. Alors, j'enlève ça parce que j'ai peur. Comme c'est humide, si vous mettez quelque chose, eh ben forcément, ça va faire des taches. Je vais prendre je prends mon Stampin' White. Alors la couleur, c'est Mélodie de Mangue. Et là, cette fois-ci, je vais prendre la pointe pinceau et je vais faire mon trait sans appuyer pour faire quand même un trait fin, mais moins fin que l'autre côté. Attention. Et là, volontairement, j'ai fait des petites vagues puisqu'on est dans le thème des poissons. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, ça, hein, les petits poissons dans l'eau. Pour les nounous, pour les mamans d'ados, on les chante plus, mais bon, il faut qu'on révise, hein. Un jour, on sera peut-être grands-parents. Hein. Hop là. Moi, j'ai des petites nièces, alors forcément. Forcément. Donc voilà. Donc là, on l'a fait une fois. Après, si vous préférez, vous pouvez aussi faire dans l'autre sens. La technique de la lingette, c'est trop bien, les filles. N'hésitez pas à la faire, la refaire et encore. Et ça donne des effets juste magnifiques. Alors, est-ce que si je fais un petit coup là, hop là, voilà. Hop. Ah, j'allais oublier aussi. Je ne sais pas si vous allez au salon du scrap ce week-end, mais moi j'y serai vendredi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Donc si vous me voyez, hein. Et si, parce que moi je ne vous connais pas en vrai, donc n'hésitez pas à m'interpeller, je serais ravie de faire votre connaissance. Donc, je crois que j'ai loupé avec mes petites chansons, là, j'ai loupé un commentaire. Ah super, ça va être chouette Nathalie, tu vas en profiter. Les petits poissons nagent aussi bien que les gros. Oui, c'était ça, oui, je m'en rappelais plus. Bah oui, les mamies, ils chantent, bien évidemment. Alors, Joël, j'ai pratiquement fini. Hein. J'ai juste maintenant. Voilà. Je mets de la colle ici.
que je vais venir coller. Alors là, j'essaye de faire d'être le plus méticuleuse possible pour venir le coller bien au bord de mon papier en dessous. Et voilà. Et ben, vous savez quoi? Et ben, je trouve que ma carte du jour est plus jolie que la carte de mon modèle. Pourquoi? Parce que mon fond, il est plus ancré, donc je préfère. Et mon idée d'utiliser aussi la technique des lingettes pour faire le petit texte, ça donne, je trouve, un effet différent et vraiment encore une valeur ajoutée. Voilà. Ça vous a plu? Eh bien, écoutez, si ça vous a plu et que vous avez envie d'acquérir le matériel pour le refaire à la maison, je serais ravie de recevoir vos commandes via ma boutique en ligne ou en MP, hein, comme vous préférez, comme d'hab. Et je serais ravie, surtout aussi, de voir les interprétations et les projets que vous allez réaliser avec toutes les techniques que je vous ai montrées ce matin. Voilà. Oui, le rendu de la pieuvre, elle est plus ancrée, donc ça fait un effet différent, effectivement. Et vous avez vu, j'avais juste changé la couleur des petits shakers. Donc vous voyez, on en a mis beaucoup, mais moi j'aime bien parce que voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça fasse du bruit, il faut que voilà, il faut que ça se voie. Hein. Faut pas faire trop les radins. Voilà. Tu préfères la deuxième, Nathalie? Ben écoute, moi aussi. La deuxième, c'est-à-dire celle-ci? Celle que j'ai faite ce matin ou mon modèle? Ça vous a plu? Eh ben, je suis trop contente. Ça valait le coup de repasser le petit bug du début de live, mais voilà. En tout cas, moi, je vais vous faire un énorme bisou. Je vais vous souhaiter une belle journée de scrap, du coup, puisque le soleil n'est pas au rendez-vous, donc voilà. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de me remercier, eh ben, vous savez quoi faire. Direction ma boutique en ligne. Et je serai ravie de vous envoyer aussi les petits cadeaux réservés à mes clientes et de vous inviter, bien sûr, sur mon groupe VIP de mes clientes. Voilà. Ouais, celle d'aujourd'hui, elle est plus jolie. Ah, merci Nadine, puis ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et que tu sois là ce matin. C'est trop bien. Je vous laisse en bonne compagnie de la chanson de fin. Et mais avant tout ça, je me permets juste un tout petit rappel. Ah! N'importe quoi. Je voulais vous remontrer une dernière fois le projet et le kit 14. Et donc, si vous avez envie de vous inscrire, il faut pas hésiter, c'est maintenant, puisque les inscriptions s'arrêteront le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, pas celui-ci en tout cas. Donc, wali-walou! Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à très bientôt. Et si vendredi 1er avril vous êtes sur le salon du scrap à Paris, n'hésitez pas à venir me voir pour me faire un bisou ou pour un check ou pour qu'on papote. Et puis ça serait vraiment un plaisir. Et surtout si vous se croisez et que j'oublie, on fait des photos. D'accord? Moi j'ai pas forcément le réflexe à chaque fois, donc n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on se fasse un petit selfie toutes les deux ou toutes les trois ou toutes les quatre ou toutes les cinq. Voili voilou. Je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis ciao ciao, bye bye, bisous les filles, un gros cœur pour vous, je vous adore, je vous kiffe. Allez, ciao ciao. Et là, cette fois-ci, c'est la musique que je vous lance. 1, 2, et 3.